On revient avec Givenchy Beauty. On a un autre coffret. Oh, je vais vous montrer toutes les nouveautés. C'est vraiment mon kiff Givenchy. J'utilise ces produits depuis déjà 2-3 années. Et ils sont d'une qualité incroyable. On a les 9 de Givenchy Limited Edition. Donc, le packaging déjà, il est incroyable. Aussi, ils sont très très crémeux. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est pour ça que je n'aime pas utiliser les autres marques. Parce que ma peau, elle est très très sec. Oh, wow. Donc, déjà, on a les couleurs que j'adore. Vraiment, pour les brunes, châtain, sont des couleurs qui vont marcher hyper bien. Ils sont tous poudrés, irisés. Ça va te donner vraiment un côté très très glam, un peu death grec. J'adore. Donc, ensuite, on a un rouge à lèvres. Et, oh my god, les highlighters limited edition. Alors là, je suis vraiment folle, 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 furieuse des highlighters. Puisque mon maquillage, il est fait plus, on va dire, la plus partie de mon maquillage, il est fait à base de concealer, anti-cerne, mascara et highlighter. Alors, je pense qu'un maquillage bien réussi, il est fait à base de ça. Et on a un highlighter incroyable de chez Givenchy. Oh mon dieu. Ici, bon, il est fermé. Mais on a toutes les couleurs assez mélangées pour avoir vraiment ces côtés un peu top modèle qui viennent de sortir des catwalks. On continue notre unboxing. On a un cadeau de rêve. C'est pour les cheveux. Je ne m'attendais pas de recevoir ces coffres-là. C'est vraiment les kits, c'est la totale des T3. Donc, j'ai reçu. Attendez, voir ça. J'ai reçu ça pour sécher les cheveux. On a toute la gamme. On a le fer à lisser. Et on a les boucleurs. Alors, par contre, celle-là, je l'avais déjà essayé puisque j'ai reçu la version blanche. Et il est incroyable. Il est automatique. Tu vas juste l'allumer. Il va calculer la température. Quand le boucle il est prêt, il va sonner. Bon, bref, c'est une merveille. Et là, j'ai les trois, les T3 pour les cheveux. On a les boucleurs, les plaques et on a les sèche-cheveux. La team T3, vraiment, merci. On passe, on a un petit cadeau. Ici, cette lingerie, elle vient de la marque Ea Lingerie, que j'adore. Alors, quand j'ai reçu ça. Alors déjà, j'adore les push-ups. C'est un soutien-gorge. Il est hyper sexy. Alors, c'est un soutien-gorge que tu pourrais peut-être mettre avec un tailleur pour sortir. Il a les détails ici, qu'il est hyper mignon. Et après, on a une culotte aussi, qu'elle est vraiment très sexy, tu vois. Ça peut être un peu... Il a les détails qui quand même, c'est un peu poussé, mais bon, ça reste quand même, tu vois, sexy, mais pas trop vulgaire. Ensuite, on a Biologique Recherche. Biologique Recherche. Alors ça, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à l'écouter puisque toutes mes copines, j'ai plein de copines. Mais les filles que je sais qu'ils s'aiment acheter ou qu'ils vont vouloir que le meilleur de meilleur, ils utilisent tous ces marques, Biologique Recherche. Donc, à l'époque, il y a 2 ans, je me demandais, mais bon, qu'est-ce qu'il y a avec cette marque, tu vois? Il y a quoi de, c'est quoi la particularité? Pourquoi tout le monde veut utiliser ça? En fait, ils m'ont fait un examen pendant que j'étais à Cannes Film Festival. J'étais invitée par la marque pour avoir un soin personnalisé. Ils vont te faire un examen de ta peau. Ils vont vraiment mesurer centimètre à centimètre pour comprendre si ta peau elle est sèche, si ta peau elle est mixte, où sont les sons qui tout doit améliorer. Ils vont te faire un soin sur mesure où ils vont vraiment faire une map de la peau de ton visage. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très très sophistiqué qui n'est jamais vu nulle part. On peut trouver ce type de choses qu'en France. Et ils m'ont envoyé toute ma routine personnalisée, même aussi pour les mains, puisque voilà, mes mains parfois elles sont très très abîmées. Et c'est là, voilà, j'aime pas. Donc ils m'ont dit, il faut que tu fasses attention à la peau de tes mains parce que ça peut s'abîmer très rapide. Je fais un tuto avec la marque il y a quelques mois. J'espère que vous allez le voir sur mon Insta, où il y a tous les sérums, où j'ai mis aussi
un accessoire que j'ai reçu de chez Sephora. Donc ici, j'ai les lèvres pour démaquiller. On a les crèmes pour les mains, les scrubs et on a tous les petits sérums pour les cernes, pour le collagène et pour la fermeté. Donc Biologique Recherche, encore, je conseille cette marque pour tous les filles de n'importe quel âge. Mais je pense que si tu as plus de 45-40, c'est vraiment une marque que tu dois tester pour corriger des petites choses comme la flaccidité ou les cernes ou les taches. Voilà, tu ne peux pas rater avec Biologique Recherche. On passe au troisième unboxing Givenchy. Là, je crois que c'est le skincare que j'ai jamais utilisé pour l'instant. Je me souviens que c'était très bien parce que je pense qu'il y a 6 ans, j'avais acheté un sérum ou un crème pour le corps. Je me souviens que ma peau, elle était liftée, mais 1 seconde. Donc, on a les soins noirs Givenchy. Alors, déjà, le packaging, il est hyper luxueux. Donc, déjà, ça te donne envie vraiment de tester tout le produit tout de suite. On a les soins noirs Givenchy. On a les soins noirs Givenchy crème et crème légère. En fait, la différence, c'est que la crème, tu vas la mettre la nuit et la crème légère le matin. La nuit, pour les filles qui ont la peau très sec, si tu veux une hydratation en plus, je conseille vraiment la crème très nourrissante la nuit ou le matin si tu ne vas pas te maquiller. Et on a les sérums. Moi, ma peau, elle est vraiment absorbe comme ça. Peu importe ce que je mets, je vais toujours consommer tout et tout de suite. Donc, je mets toujours sérum d'abord et après, je mets la crème riche. Ça dépend voilà, de ma routine ou de mes activités pendant la journée. Mais c'est très important toujours d'utiliser un sérum parce que ça va faire un espèce de fil protecteur pour bien redensifier les cellules et la peau. On passe à notre petit unboxing de chez Sephora. On a plein de cadeaux ici. Alors là, c'était la saison festive, c'était Noël, donc c'est pour ça que j'ai reçu plein de nouveautés. C'est la petite palette avec des petites brosses. Trop stylé à la mettre dans ton sac. Voilà, je sais tout à prendre. Ouais, tu ne veux pas tacher ton sac comme parfois on le tâche. Tu peux mettre ici 2-3 maquillages et très chic, tu vas le mettre dans ton sac. On a tous les petits coffres pour les lèvres. Tu as aussi les cleansers de chez Fresh, parce que c'est aussi très très belle marque parce qu'elle est faite à base de rose. Donc, si tu ne peux pas t'arrêter, si tu as la peau sensible, je conseille vraiment beaucoup. Et c'est surtout pour les filles très jeunes. Ça va être pour les filles de 15 à 25 ans. C'est quelque chose de parfait. Alors, je vous montre. On a Magical Mini de Moroccan Oil. Pareil, c'est sérum pour les points abîmés. C'est les meilleurs que j'ai jamais essayé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre plus soin de moi. On a Estée Lauder. Je n'utilise pas du tout cette gamme. J'ai beaucoup de copines qui l'utilisent beaucoup. Ils m'ont dit que le sérum, il est incroyable. Donc, à vous dire. Voilà, finalement, si la guerre, elle va être entre Estée Lauder, Givenchy ou Estée Lauder, je vous dirai ça. J'ai compté à faire une espèce d'awards, Patricia, vraiment, pour dire. Après ces années de testing, quel est le produit que je considère que c'est le meilleur? Et on a un petit haul de milk. Alors, par contre, ce type de marque, je l'utilisais, mais elle reste, la formulation, elle reste vraiment très sec. Tous les produits que j'ai utilisés, pour moi, sur ma peau, ils ont été vraiment très très secs, mais le packaging, il reste hyper cool. Après, peut-être que c'est fait pour les filles qui ont la peau mixte ou je ne sais pas. Ces trucs, c'est incroyable encore. C'est un petit truc avec toutes les nouveautés de chez Fenty. Wishful, il y a un tarte. Merci Sephora. Là, on va passer à Balmain. Alors déjà, Balmain, vous le savez, je suis obsédée avec la marque Olivia Rousteing. Pour moi, c'est un génie. Je sais pas, ce mec, il est vraiment un mec inspiration illimitée. C'est pour ça qu'il est là. Mais le produit Balmain Hair Beauty, je ne l'ai pas essayé encore. Donc, il y a les shampoings.
On a les masques qui m'ont dit que c'est un rêve pour les cheveux abîmés, masques revitalisantes. On a les conditioners, après shampoing. Et les secrets, c'est qu'on a les ampoules. On a les ampoules à utiliser. Je pense que j'avais pris de. Non. C'est les ampoules vraiment pour faire l'hydratation en profondeur. Donc, alors, j'ai jamais utilisé vraiment, je le mets, mais je pense qu'il faut vraiment utiliser toute la gamme pour voir le résultat final. Mais le packaging, par contre, ce qu'on veut en parler, il fait tout de suite très très luxe. Merci Valmont et Olivia Rousteing. Je t'adore, je t'aime. Tu es vraiment mon idole dans la mode. Je pense que tu es un des créateurs qui ont marqué les siècles, vraiment, carrément. Alors là, les filles, j'ai reçu un petit cadeau des Drunk Elephants. Vous savez ce que c'est. C'est vraiment trop amusant. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai reçu un petit bagamon qui est chez moi, juste là, et que j'ai vu très souvent avec mon fils. Et voilà, j'adore. Comme j'adore ça, je ne sais pas quand je vais utiliser ça, quand je sois fâchée avec Alexander. Je rigole. On a Holiday Vibes. Voilà, c'est un autre cadeau que j'ai reçu de la part de Sephora pendant Noël. C'est vraiment tous les calendriers. Il a 24 surprises. Il est déjà un peu abîmé parce que je l'ai ouvert. Donc, on va avoir tous les calendriers. Ça va vraiment être Holiday Vibes, Cozy, It's Cold Outside, Chill. Il y a tous les cadeaux. Donc, j'ai reçu aussi plein des calendriers, des chocolats que je vais tout manger. Je suis hyper gourmand. Enfin. Voilà, on a un petit pin ici chez Sephora. Après, on va voir les cozy. Oh, c'est un petit pin pour les cheveux. Voilà, ce sont tous ces petits cadeaux. Comme ça, pour faire amuser la journée. Alors, quel autre? Je vais faire les 17. C'est le jour de l'anniversaire de ma mère. Il arrive bientôt en février. Gommage éclat de visage, sable volcanique. Jamais essayé. Alors, ce sont tous des petits produits, voilà, que tu peux essayer tous les jours pour t'amuser, voilà, pour changer un peu la routine. Et ce sont les petits trucs, voilà, que Sephora fait, le marketing team fait aussi pour pousser, pour inviter les gens à acheter. Mais je trouve qu'ils les font d'une façon vraiment très, très amusante. Et j'adore. Merci Sephora. Alors ici, j'ai plein de maquillages de différentes marques. Je vais sortir un Lazare, par exemple. J'ai cette palette de Natasha Denona. Voilà, elle est incroyable. Elle est hyper sophistiquée. Regardez ça. Ouf. Ouf. Alors, les couleurs sont incroyables. Tu peux faire des maquillages vraiment des ouf avec ça. Sont vraiment très tendances. Et voilà, pour toutes les filles qui adorent jouer avec les couleurs, c'est vraiment les marques de l'acheter parce qu'ils sont faits à base de pigments qui vont vraiment changer la façon comme ils reflètent la couleur. Donc ça, c'est très très important quand tu vas acheter des maquillages, c'est vraiment acheter les bons pigments qui ne vont pas tomber après 2 minutes et que tu vas avoir plus rien dedans. Alors là, on a un petit truc de Pat McGrath, qui est un des meilleurs maquilleuses au monde. Elle fait sa collection. Le packaging est hyper stylé. Pâte avec des signes égyptiens. On a ici, c'est une palette en fait que tu peux utiliser soit comme fard pour les yeux, soit comme pour les joues. Son illuminateur, voilà, après il faut savoir où le mettre et le distribuer. Mais de plus en plus, tu peux utiliser le même produit partout ton visage. NARS, oh my god, NARS, c'est très cher par contre, c'est vraiment une marque, elle est très très chère. Si vous avez l'argent pour investir un peu plus, c'est une marque que je conseille beaucoup parce qu'elle va te donner vraiment l'air d'avoir un maquillage hyper luxueux. Donc, c'est pas que c'est meilleur qu'autres marques, mais ils ont quand même un truc en plus.
au niveau des pigments, de la crème, des formules. Il est très couvrant aussi pour les filles qui aiment avoir cet air un peu hyper masqué. Déjà, regarde, ma main, elle est déjà hyper liftée. On a un produit étoile, star. C'est la crème de Charlotte Tilbury, Our Winning Cream. Alors, je vous dis, si tu es une fille qui a la peau abîmée et tu veux vraiment changer le résultat quand tu vas te maquiller, il faut déjà que tu investisses un peu plus sur les produits que tu utilises avant de te maquiller. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur, ça veut dire qu'ils ne vont pas investir sur leur routine beauté. Ils vont se dire, mais pourquoi mon maquillage est toujours moche? Alors, la réponse est très facile. Parce que tu n'investis pas sur ta routine skincare. Et donc, après, si tu n'as pas le temps, tu peux au moins acheter un produit comme celle-là. Si tu achètes ce produit-là, je t'assure que tu vas tout changer dans ta vie parce que tu as tout ce que tu as besoin dans un seul crème. Et c'est le secret et la magie de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est vraiment très stylé. Et un, elle, avec voilà, plein de créatrices, ont développé leurs propres produits pour aider voilà, les femmes à être belles en toute simplicité. Donc, Charlotte Magic Cream, c'est un des crèmes, je pense, à mon avis, de meilleur pour toutes les filles qui ne veulent pas se casser la tête, acheter ça pour une routine hyper longue des 5-6 produits. T'achètes ça et voilà, t'as fait ta routine avec un seul crème. La palette de Givenchy. Oh wow. Elle est vraiment les Luxe Deluxe. Ils sont personnalisés chaque rouge à lèvres. Je vais vous montrer celle-là. Il est fait en cuir velouté avec des applications métalliques. Un rouge pour tout et quoi. Ils sont parfumés. Ils sont le petit détail ici. Givenchy, genre, il n'y a rien à la sarre chez Givenchy. Hein. C'est hyper, hyper bien soigné. C'est incroyable. Après, les couleurs, ils sont très faciles à porter. C'est vraiment un rouge un peu plus fondu. Donc, il faut vraiment savoir comment combiner. Ici, on a un peu plus foncé. Ça, j'adore. Ça fait un truc vraiment très, très dramatique. Very drama. Le packaging, il est tout en velours. Ça fait tout de suite un féminin, un luxe. J'adore. Mario Badescu. On a tous les produits de Noël. Sont des petits sprays pour la peau. Sont faits tous à base de différentes combinaisons. C'est des oranges, des serves. Sont vraiment pour. Elle fait partie vraiment de la gamme de produits bio parce qu'ils sont faits tous à base d'ingrédients hyper naturels. Sont vraiment pour apaiser la peau quand elle est fatiguée ou elle est irritée. Un parfum qui a une histoire et qui est vraiment très voulu pour les. Gens qui adorent les parfums, c'est les Nasomato. Alors les Nasomato, c'est vraiment un parfum qui est hyper particulier parce que ça va vraiment agir au niveau de ton cerveau. Ce sont pas des choses superficielles. Les gens qui ont inventé ça, ils comprennent voilà que les odeurs, ou les sons, tu vois, les images sont des choses qui vont rester dans ton inconsciente. Donc ils vont utiliser ça pour que les gens deviennent un peu addicts. Comme c'est le cas de café ou encore la cigarette ou de l'alcool. Voilà, ils vont vraiment prendre des produits qui vont agir au profond de ton subconscient pour que toi, tu as envie d'avoir ça tout le temps. Là, j'ai reçu les kits de kits Say It With Hair de Sephora. C'est vraiment The Limited Power of Beauty. Et depuis que je suis en partenariat avec Sephora, je ne vous cache pas mes cheveux, ma peau, même mon maquillage. Et j'ai changé radicalement. Si vous voulez des conseils, des concours, des petites astuces, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander ou juste pour parler avec moi. Pour un kit complet,
des cheveux. Donc, comme je vous avais dit au début, on a la brosse Tangle Twister. C'est la brosse qui va vraiment améliorer la qualité de tes cheveux parce qu'elle ne va pas abîmer quand tu vas brosser. Après, on a les scrubs que je vous avais parlé tout à l'heure. On a Virtue, qui c'est la masque. Elle est un peu plus chère que tous les réseaux marchés, mais elle est incroyable comme qualité. Alors, je vous dis, je savais même pas qu'on avait ces produits-là parce que je l'avais ouvert il y a très longtemps, mais je me souvenais même pas qu'il y avait ça. Et donc, tous les produits que je vous conseillais que c'était les meilleurs, ils ont mis ça. Donc, Vergeo, les scalps que je vous avais mis. Et Ordinary Hair, ça c'est pour redensifier quand tu es en train de perdre tes cheveux. Je vais pas essayer ça, j'imagine qu'elle est incroyable. Et ça, par contre, c'est une merveille. Quand tu sors de la douche, tu mets ça avec ton Tangle Twister. Et ça y est, tu peux rester tranquille pour toute la journée. Alors, on a toutes les sets pour avoir vraiment des cheveux de princesse. Et c'est encore Sephora et leur marketing team qui sont idées de faire ça pour les filles, voilà, qui ne sachent pas trop comment faire. Tu n'as qu'à acheter le petit coffret de Sephora et tu vas avoir tout ce qu'il faut pour que tu sois belle et radieuse. Alors là, on a un petit cadeau des Opal. C'est une marque que je travaille, j'ai commencé à travailler avec eux il y a 3 ans. Je pense que je vous ai déjà parlé beaucoup des Opal. Ils m'ont envoyé ces petits cadeaux. Et c'est vraiment des accessoires pour l'été. J'adore, tu vas mettre ça comme ça. Tu peux le mélanger avec des accessoires en or ou même si tu veux juste les combiner comme ça. Ça reste vraiment très cool, très frais. Tu peux mettre vraiment des choses ici. C'est vraiment pour la plage, c'est idéal. Ça va faire vraiment un look, tu vois, ça va faire un look hyper stylé pour la plage. J'ai pris presque tous les cadeaux. J'ai envie de vous montrer quelque chose d'autre. C'est un petit point lumière. Tu peux mettre ici. C'est vraiment les styles à la française. Là, c'est pour les clés, c'est des gummy bears. Il est trop mignon. Bon, alors, merci Opal, c'est vraiment trop cute. D'ailleurs, j'ai adoré aussi le pull qu'ils m'ont envoyé avec mon nom, Patricia Gloria Contreras. C'est trop stylé. On suit avec Kera Health. Alors là, c'est les shampoings et les après-shampoings faits à base de kératine. Là, c'est pour les filles qui font la kératine et qui ont un cheveu très, très, comment dire, qui tes cheveux sont hyper sensibilisés. Alors, parce que tu as fait des traitements, parce que tu as fait des colorations, parce que tu as fait des choses sur choses sur choses, c'est quelque chose que je conseille énormément. Parce qu'il le fait d'une façon vraiment pour remplir les cheveux qui sont vides. Quand je dis vides, c'est vraiment qu'ils ont perdu la matière de autant de traitements que tu as fait. C'est très, vraiment, c'est une marque de beauté très niche. J'utilisais ça et aussi les piles et ça m'a aidé énormément à les, voilà, à les tenir vivants vu le temps des choses que je fais. Alors, retenez cette marque, Kera Health. Et là, on passe à notre dernier. On a Sephora Favorites Unbox Your Beauty Power. Et c'est ce que Sephora fait vraiment avec les filles. Donc, il va te motiver à que tu vas exploser ton potentiel. Donc, on a 3 coffrets ici. Ça, c'est les petits coffrets pour les lèvres. Regardez comme il est mignon. Déjà, la forme est incroyable. On a tous les meilleurs des meilleurs. Alors, j'ai utilisé ça pendant 2 années. Il est vraiment pareil. C'est la gamme Vegan Beauty naturelle. Il est fait à base de lanoline. C'est un produit très, très efficace pour adoucir la peau. En plus, ici, on a la Neige. C'est une marque qui aussi, elle est très, très bien. On a un petit rouge à lèvres très sensuel, Nars. Et ensuite, on a notre deuxième coffret. C'est cette boîte de chez Sephora. Et que c'est tous les mascaras. C'est les meilleurs mascaras. Alors, j'ai essayé toutes les mascaras. Better Than Sex de chez Too Faced. C'est incroyable. Tarte. Elle est incroyable, elle va vraiment pousser le volume dans tes cils. Après, Benefit, je ne l'ai jamais essayé.
Et Huda Beauty aussi, je ne l'essayais pas vraiment. Mais alors, Better Than Sex et Tarte sont les mascaras que j'utilise tout le temps. Même si tu les utilises en combinaison, genre les deux ensemble, tu vas avoir des cils princesses, quoi, comme des fossiles. Et comme un troisième coffret, et pour finir, on a un petit sac. En fait, on a une petite routine, voilà, pour les filles qui aiment la simplicité. Tu as ton mascara, ton colle. On a un illuminé pour illuminer. On a une base maquillage, c'est très important. Et on a un mattifying face screen. Et ça, je ne l'avais pas vu nulle part ici. Et ce que c'est hyper important de protéger la peau du soleil, surtout quand l'été il arrive. Donc, merci Sephora, c'était les grands sponsors de cet unboxing. Pour moi, c'est un rêve, ça reste un rêve de travailler avec eux. J'ai apprécié énormément la confiance que Sephora m'a déposée depuis 2 ans pour promouvoir et pour vraiment tester toutes les nouveautés. Et à la prochaine, et j'espère de refaire bientôt un concours avec vous pour vous partager et vous faire tester tous ces produits de rêve. C'est la fin de cet unboxing des rêves. Le prochain, ça va être dédié à la chirurgie plastique. Je lançais un questionnaire sur Insta et je vois que toutes les filles, elles sont hyper intéressées à parler de ça. Moi, depuis toutes ces années, j'ai vu et revu et moi-même, je fais de la chirurgie plastique. Donc, je veux vraiment partager ça avec vous pour les jeunes filles qui ont envie de faire. Si je peux vous conseiller et que vous alliez avec des bons docteurs, ça me fait hyper plaisir parce que j'ai vu plein de copines qui ont raté des traitements. Et après, pour corriger, c'est vraiment très difficile. Ils ont été hyper déprimés pendant des mois, et pas que des mois, mais des années. J'ai vu des copines qui ont eu des opérations ratées, des seins, des peaux, des injections, des fesses, des prothèses. Bon. Genre des tout. Donc, c'est un thème que je veux parler avec vous. Je le vois sans tabou. Donc, je vous attends ici à la prochaine. On va faire une vidéo hyper, hyper excitante.